J'espère que vous allez bien, mes petits choux. Alors, tout simplement, pour faire un petit bilan de cette année, mettez des petits pouces déjà hein, pour voir la vidéo. Et puis, ça me fait du bien. Et merci à mes nouveaux abonnés. Merci. Merci du fond du cœur. Ça me fait super plaisir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis trop contente. Peut-être parce que je suis passée en replay sur une émission, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très étonnée. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire... Merci. Merci d'être toujours là pour moi. Merci. Ça fait depuis, on va dire vraiment 2017 que j'ai commencé ma chaîne. Parce que je l'avais en 2011, mais j'ai rien fait dessus. C'était pour faire le théâtre. Enfin, je faisais des trucs pour le théâtre, de la promo pour le théâtre. Ça n'avait rien à voir. Et en fait, il s'avère que j'ai commencé en 2017 et vous êtes toujours là. Et franchement, c'est que du bonheur. Même si on monte... Depuis 2007, on monte petit à petit. Là, on monte beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux. Eh bien, tout simplement pour vous dire merci. Alors, cette année a été riche et aussi difficile. Difficile à vivre, quelque chose d'extrêmement difficile. Tout d'abord parce qu'il y a eu ma maman qui a eu un AVC par le cyberharcèlement que j'ai subi et qui n'arrête pas. Enfin, qui est en ce moment tranquille, heureusement, au calme. Mais par contre, c'est vrai que voilà, ma procédure, elle est en cours et je la lâcherai pas parce qu'en fait, la police ne veut pas. Voilà, on n'a jamais vu ça, mais la police ne veut pas que je lâche la plainte. Bref, voilà. Tout simplement pour vous dire qu'il y a eu des choses, des hauts et des bas. Donc, il y a eu peut-être plus de bas que de hauts. Mais j'ai toujours la pêche et toujours le sourire. Même s'il me reste des séquelles, j'ai toujours le sourire, j'ai toujours la joie de vivre. Et ça, c'est le plus important. C'est ce que je veux vous communiquer. Communiquer. J'ai essayé de faire, ben, grâce à mon monteur aussi. Hein? Je te remercie du fond du cœur d'avoir participé avec moi et c'est pas fini, c'est une belle aventure qui arrive parce qu'on va continuer, de plus belle. Je voulais vous remercier du fond du cœur. Je voulais remercier mon monteur qui est vraiment formidable, qui est vraiment quelqu'un de super et qui ne veut pas se faire connaître et qui a bien raison. Honnêtement, il a tout à fait raison. Les réseaux sociaux sont quelque chose de parfois ça peut être ignoble. Et je l'ai connu, j'ai vu ce que c'était, j'ai vu ce que c'était, je ne savais pas ce que c'était, j'ai connu ce que c'était. Et tout simplement, pour vous dire, voilà, je suis heureuse d'être avec vous, je partage avec vous, j'échange, toujours dans la bienveillance, toujours dans la bonne humeur et la joie de vivre. Et bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, je vais devenir guerrière, hein, je vous le dis. Hein. Regardez, déjà j'ai la tenue voilà, de guerrière. Parce que, yo, c'est n'importe quoi. Hein. Là, on vit dans un monde de tarés. Hein. Mais en tout cas, amusez-vous, profitez de la vie. On ne sait pas ce que nous réserve le lendemain, mais déjà là, ici, aujourd'hui, à ce jour, nous sommes là. Nous avons le sourire, nous avons la joie de vivre. Et nous sommes là pour partager la joie et la bonne humeur. C'est très très important. J'ai enlevé mon sapin. J'ai tout changé chez moi. J'ai fait un renouveau dans ma vie. Voilà. Un gros renouveau. Je vais faire du gros tri. Ça, cette année, ça va être... l'année 2022 va être un tri énorme dans ma vie et aussi bien dans ma vie que chez moi. Je vais beaucoup faire des choses. Alors aujourd'hui, on m'a proposé un truc, je l'ai refusé parce que c'était pour tester un shampoing pour 45 euros. Mais je l'ai refusé. Mais vous avez des possibilités quand vous êtes chez vous, vous avez des possibilités de faire des tests comme ça, parce que moi j'en faisais beaucoup avant et j'étais pas mal rémunérée. Et du coup, là, j'ai refusé parce qu'il faut aller à Rivoli, voilà, faut tester le shampoing. Bon, bref, voilà. J'ai refusé. Elle m'a dit qu'elle me proposera d'autres choses. Je lui ai dit qu'en ce moment, avec le climat anxiogène, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Je suis très bien chez moi. Je suis très bien dans ma petite maison. Donc, j'ai essayé de faire un petit cocooning chez moi, tranquillou. Et puis, sur ce, mille merci du fond du cœur. Voilà, cette année a été particulière. Cette année 2022 sera aussi particulière parce que, voilà, il y a le truc que vous savez, hein, tous, hein, malheureusement, hein, c'est mondial. Hein. Mais on est là. On est là.
Vous et moi, on y arrivera. Voilà, sur ce, mille merci. Je vais essayer de faire des jolies choses, des nouveautés en 2022. J'ai déjà prévu pas mal de choses. Voilà, puisque maintenant, ben, je peux faire des belles vidéos, puisque j'ai du matériel. Il me manque encore un matériel un petit peu plus... un petit peu plus, comment dire, sophistiqué. J'attends, je sais pas, je vais voir parce que ça coûte très cher. Mais je me dis peut-être. Et au fait, je me suis coupé les cheveux. Je me suis coupé les cheveux toute seule. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'avais une mèche qui était là et l'autre qui était là. Et donc là, ben voilà. Et du coup, je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année. Du bonheur, de l'amour, de la joie dans les cœurs. Et... ma communauté, ma commu, vous êtes une commu, comme ça. je vais certainement changer le nom de ma chaîne aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Regardez, même le make-up, là, il a changé. Quand bien même ceux qui critiquent, bah, ils critiquent, hein, mais j'ai changé le make-up aussi, ma façon de faire le make-up. J'ai commencé avec cette palette, qui est une dinguerie. Voilà. Bon, allez, sur ce, on y va ? J'arrive jamais à finir, vous avez remarqué, hein, j'espère qu'en 2022, je vais pouvoir finir. Je vous aime. Vous êtes très important dans ma vie. Je vous jure que c'est vrai. Ceux qui sont bienveillants sont très importants pour moi dans ma vie. Le harcèlement, je vais le bannir. Le cyberharcèlement, je vais le bannir. Ça va être... voilà. Il faut que ça soit réglé une bonne fois pour toutes. Et puis, sur ce... je vous dis plein de bonnes choses. Et mon année a été quand même très belle, grâce à vous. Du fond du cœur, je vous dis merci et je vous dis à l'année prochaine. Alors, je ne sais pas si ce sera le 1er janvier, le 2 janvier ou le 3 ou le 4 janvier, je ne sais pas. Mais je reviendrai en janvier. Je ne sais pas si c'est 1er, 2, 3 ou 4. Je pense que ce sera plutôt le 4 ou 5 janvier, on verra. Voilà, écoutez... je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous, je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo, et je vous embrasse très fort mes petits choux. Bye bye, ciao.